Allez, salut à tous les amis, c'est Banana et on se retrouve pour l'épisode 12. L'épisode 12 déjà de Land Farm. Survival. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Et je refais une deuxième fois mon introduction parce que je m'étais fail totalement, j'avais pas regardé les achievements et j'étais pas du tout au courant. Parce que comme j'ai dit juste avant, mais ça vous l'avez pas entendu, et ben depuis l'épisode 8 j'ai tourné à la suite et là je reprends un petit peu parce que j'avais arrêté un petit peu de tourner. Et là je m'y remets à cette série là. Et donc voilà, alors pourquoi l'herbe est aussi dégueulasse alors que c'était censé être un biome marécageux? C'est le mode Better World Generation, tais-toi, c'est le mode Better World Generation qui fait une couleur assez dégueulasse au biome marécageux et biome jungle en fait. Mais c'est pas très grave en soi. Des vaches ont repopé alors que je m'en étais déjà givé une, je comprends pas, et je l'avais tué. Je t'avais tué. Hein. Et c'est pas très grave, on peut dire que ça a repopé. Même si je crois qu'en 1.2.5 c'est pas censé repopper, hein, mais j'ai pas tout compris là. Il y a dû avoir un souci avec une backup de la map ou quoi, j'ai pas dû quitter en sauvegardant, je sais pas. Je vais voir mon générateur de poulet. En tout cas, je suis content que ça vous plaise, hein, parce que moi aussi ça me plaît, voilà. Et il y a plein de poulets partout. Je vais peut-être essayer de les tuer avec une épée en... Ah, j'ai lu un commentaire, mais super marrant quand même. C'est tu pourrais quand même ouvrir un KFC. Mais c'est vrai que là avec ce générateur de poulet, je pourrais m'ouvrir carrément un KFC, hein. Et oula, j'ai quoi sur ça? Ban Amphotropode 1. C'est vrai, j'avais oublié. Bon allez, je sais, je vais y aller. Vous avez envie que j'aille dans le Nether et je vais y aller. Donc on a quand même pas mal d'achievements. Pas mal comparé à ceux du monde normal, c'est rien. C'est rien, donc la série est bientôt finie. Comparé au monde normal, c'est rien comme achievement, mais ça peut être beaucoup. Donc on va y aller tout de suite. Je sais pas si parce qu'en fait je suis quand même pas beaucoup préparé avec ma petite armure protection 1. Je sais même plus si j'ai du fer ou pas. J'ai plus rien. J'ai deux de fer. Qu'est-ce que je peux me faire avec deux de fer? Je peux me faire même pas. Mais si, je peux me faire une. Comment ça s'appelle? Je peux même pas faire des bottes, je peux me faire une botte. Alors, vous imaginez? Bon, allez, on y va. J'ai jamais vu le Nether, hein, donc on va y aller. J'espère que ce sera pas un truc trop... Oh, mais c'est en... Ah bah, je suis couillon, moi. C'est pas mal. Live only using this portal. Bah oui, sinon c'est un petit peu couillon, on va aller autre part. Oh, c'est très très bien fait. Il s'est pas mal gavé, le jeune homme. Bon. Allez, hein, trêve de plaisanterie, et on va aller, oh, on va aller quand même essayer de faire les petits achievements. Voilà, allez, bon, allez, on s'y remet un petit peu, on arrête de faire n'importe quoi, voilà. Mais ça va être galère, ça va être galère tout ça. Ah, j'ai une, voilà, attention. J'ai pris quand même pas mal de pioches en cobalt parce que, voilà, parce que dans le Nether, en fait, ben, la Netherrack, c'est pas aussi long que de la stone normale, voilà. Hein. Faut le dire, hein, faut le dire, il va faire aller mettre les poches en ligne. On va essayer de monter. Oui. Non, vous savez quoi, on va essayer de monter avec de la cobalt, voilà, ça va être plus simple. Parce que je suis du genre pas très doué, en fait, dans le Nether. Donc bon, hein, je veux dire. C'est vrai que c'est super pratique, hein. Monter comme ça à côté de la lave. Ou peut-être. Peut-être. Oui, ou peut-être, peut-être. D'ailleurs, on m'avait dit quelque chose de très intelligent. C'était de faire ça. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Bon, en fait, ça revient totalement au même. Ah, peut-être là. Oui, on a trouvé la sortie. What the? Bon, ok, bon, c'est pas très grave. Donc au moins on a trouvé une petite sortie. C'est cool. C'est cool. C'est vachement... Oh, il y a des zombies pigmen. Ça me plaît pas du tout en fait de sortir comme ça à côté de la lave.
Il va falloir enlever les générateurs de monstres hostiles. Ouais, le truc totalement logique, générateur de monstres hostiles. Ah, et voilà, je peux plus redescendre. Intelligent. Oh, tu fais quoi toi? Oh, non. Je ne veux pas de toi. Parce qu'on va devoir récupérer des pépites d'or. Voilà. Oh, j'aime pas ce bruit. Il va falloir récupérer des pépites d'or. Donc, pour se faire une montre et une pomme d'or. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Voilà, allez, on va monter. On va voir un peu ce qu'il y a. On va explorer le Nether pour l'instant. Pour l'instant. Ça fait beaucoup. C'est un petit peu. Non, je vais pas monter comme ça parce que ça va être trop chiant. On va monter comme ça. Comme ça. On va se faire des. Voilà. Oh malheur. C'est un truc de fou le Nether ici. Hein. Oh, reste pas appuyé sur ta touche, banana. Quand même, que fais-tu? D'ailleurs, après cette série, avec Harry, on ne fera plus beaucoup de séries solo parce que la chaîne, elle a commencé à devenir pas trop duo en fait. Hein. On a commencé à faire des trucs en solo, tout ça, et ça perd totalement le truc dès le départ. Le projet Retro Minecraft qui était là au départ sur la chaîne, voilà. Donc j'espère en tout cas que que cette série en tout cas vous plaît, parce que moi ça me plaît de la tourner, c'est trop marrant. Et nous avons quoi ici? Nous avons... Je pensais que la glowstone serait plus facile à trouver, mais non. Bon, est-ce que... Ah mais... Qu'est-ce que je raconte moi? Il y a de la glowstone ici, bah au moins on pourra déjà faire un achievement. Cool, mais ça c'est cool. Oh. Ah bah voilà, au moins on a la glowstone. On peut être content, au moins on aura fait un achievement dans cet épisode. Et allez, on mine. C'est avec une pioche en fer ou bien... Non, on s'en fout. Bah voilà, on a trouvé, on a miné de la glowstone. Yeah. On a fait un achievement du Nether. D'ailleurs, il n'y a rien en haut. Si, il y a peut-être quelque chose en haut. On va monter. On va monter, hein, parce qu'on sait jamais. Il peut y avoir quelque chose en haut. Vous savez, MG Platinum, le créateur de la map, est souvent en train de faire des petites blagues. On me dit de regarder sous le lit, mais je ne regarderai pas. Et je sais déjà ce qu'il y a. Et on verra ensuite, hein, par la suite. D'ailleurs, j'ai envie de me récupérer. Voilà, j'ai... Voilà. J'ai tous les zombies pigments sur mon dos, mais j'avais envie d'avoir une pépite d'or et ça fait partie d'un achievement. Donc que ce soit maintenant, ben c'est mieux. Donc voilà. Je suis désolé, mes petits pigments. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Parce que... Ah non! I don't want to die! Non, celui-là non. Alors, si vous remarquez que les zombies Big Men ont un bruit assez étrange, c'est normal. C'est normal. C'est parce que j'ai installé un truc qui s'appelle Ender Twix. Et qui met, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais Notch nous avait fait parvenir le son de l'Enderman assez étrange, en fait. Un son qui fait très peur. Je sais pas s'il veut me taper, lui. Bon, de toute façon... Donc, c'était un son assez étrange, du genre... comme ça. Et il m'avait bien plu, en tout cas il fait peur, donc j'avais envie d'avoir ce son, et en même temps Ender Twix rajoute un son pour les zombies pigmen assez étrange, comme ça, comme des porcs qui se font égorger. Oh mon dieu! Comment on va faire? Je sais pas si vous avez vu, hein. Il va falloir que je fasse très très gaffe. On a trouvé les fortifications. On va devoir trouver la salle donc finale. Mais le truc, c'est que là j'ai pas du tout, mais pas du tout envie de perdre mon épée en diamant. Donc le truc,
C'est qu'il y a un spawner à Ghast. Et il y a deux spawners comme ça. Et donc je sais pas du tout comment on va faire. Il faut déjà que je fasse l'achievement pour les zombies, à mon avis. Comme ça je me ferai plein de pommes d'or. Et oula. Yes. Oula oula. Il fait peur. J'ai peur. S'il vous plaît. Ah mon dieu. J'ai pas du tout envie de perdre mon épée en diamant. C'est les seuls diamants que j'ai. S'il vous plaît. Est-ce que tu veux de moi toi? Oula oui, en tout cas on veut de moi là. Allez, montez, petit porc. Montez. Montez, montez. Mais monte. Bon bah écoute hein. C'est bien, moi je peux les tuer, ils font pas mal. Ça fait un assez bon bagarre, c'est... C'est pas mal, je récupère pas mal de golden nuggets. Il faut que j'en ai 8 ou 9. 8 je crois. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 9. Il faut que j'en ai 9 pour me faire une pomme d'or et ensuite il va falloir que je fasse de la glistering melon. Glistering melon. Parce que la glistering melon ça fait une potion de régénération, si je ne me trompe pas. Et donc je dois faire une potion de régénération. Qu'est-ce que tu fais là toi? J'adore parce que je les attire tous mais ils peuvent pas venir. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais parce que j'ai pas du tout envie de perdre. Bah vous savez quoi? On va faire déjà le chemin. On va descendre mais très. Ça me plaît pas du tout ce spawner. Parce qu'il faut que je remonte mais genre hyper safe en fait. Si je remonte. J'ai peur. Il va falloir gaffe. Oui, toi bien parle la France. Il va falloir faire très attention. Un spawner à Ghast est ici présent. Et je pense qu'à mon avis, il va pas être très content si on se met à côté de lui. Hop, voilà. Donc au moins si je remonte, ben, je pourrais être en sécurité. Un minimum, on va dire. Un minimum. Hein. Pouk. Petit bruit. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, ça va être plus simple. Oh, y a de ces spawners, mais c'est un truc de fou quand même. Oh là 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 là, comment je vais faire? Waouh, c'est super quand même. C'est très dangereux ce que je fais. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Je stresse. Mais au moins, vous allez me dire que c'est assez étrange en fait, cette façon de descendre. Et je sais pas du tout, mais alors pas du tout, si le truc va s'activer quand je vais arriver. Je crois que c'est pile à l'endroit où je vais aller ici en fait. J'ai pas envie. Oh non, il s'est mis en marche. Ok, c'est à partir d'ici. Ok, c'est ici. Oh punaise, non. Ok, c'est à partir de là. C'est à partir de là et je vais mettre une cobble, je vais mettre une ligne de cobble pour me dire de faire très attention. C'est ici. Regardez. Hop, il se met en marche. Donc ça doit être une dizaine de blocs, un truc comme ça. Et il va être l'heure de se laisser. Ah, oh, je suis désolé, mais des petits épisodes comme ça de temps en temps, ça fait super plaisir, à mon avis. Et je pense que je vais tourner à la suite parce que là, c'est genre très compliqué et ça va être genre très compliqué. Voilà. Et je sais pas si je devrais balancer une TNT. Oh non! Je suis fou moi! Je me mets là-dessus. Voilà, on va dire que là c'est l'endroit où il faut pas se mettre. Voilà, on va se faire. Oh, ça va être
Oh, c'est stylé, ça, ça. Ouais, allez, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, que le Nether va vous plaire, parce que l'Endfarm Survival, c'est pas fini. Et ça promet. Et ça promet du lourd, l'Endfarm Survival. Ça promet du gros, gros lourd. Du gros, gros lourd. Ça veut rien dire, ça. Et mettez un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Mettez-la en favori si vous l'avez adorée. Et partagez avec vos amis, ça me fait super plaisir. Et n'oubliez pas. Je dis n'oubliez pas, mais ça se trouve la FAQ sera déjà passée depuis le temps que je parle. Mais on verra bien, c'est pas très grave. N'oubliez pas la FAQ si je poste cette vidéo avant la FAQ. Oh merci, merci. Oula. Et voilà, allez, salut à tous. Maker.